apéritivo. On continue ce moment effectivement de convivialité et de culture avec nos invités, donc Pamela et Vincent. Alors une petite introduction comme il est de coutume hein, pour mieux faire connaissance avec nos deux invités. Je vais commencer par Pamela. Pamela effectivement donc officie donc au musée des arts décoratifs en tant que conservatrice donc à la fois de la mode et des textiles. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire que Pamela, avec 25 ans d'expérience, déjà. déjà. Ce qui veut dire en fait que vous avez 25 ans, oui. Tout simplement. Exactement. Voilà, c'est très beau. Voilà. Dans la mode, tout le monde. Tout le monde a 25 ans. Voilà, nous avons 25 ans. On va effectivement voir quelques images donc, de l'aile de Rohan, qui a été donc, inaugurée donc, en 1997. C'est bizarre de dire 1900. Donc derrière moi, vous voyez ces quelques images. Donc, en 1997, donc, cette aile consacrée donc, au musée a été inaugurée. Et hop, la première, je vais me tourner, la première exposition, effectivement, qui a eu lieu... On va vous laisser en parler tout à l'heure, effectivement, mais on va revenir sur ces différentes expos. Mais ce qui est intéressant dans le travail, effectivement, de Pamela, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement de diriger, effectivement, ce département donc, de la mode et du textile, mais c'est un travail extrêmement important donc, de scénographie, que ce soit des scénographies que vous produisez, que vous imaginez vous-même, ou des scénographies, effectivement, qui vont être travaillées avec des designers, des scénographes, français, étrangers, souvent français d'ailleurs. Voilà. Mais en tout cas, on retrouve ce goût très important pour la scénographie, pour la mise en scène, on pourrait dire. Petit lien que nous ferons d'ailleurs avec Vincent tout à l'heure. Et une vision peut-être assez inconventionnelle hein, ou très contemporaine du métier justement de conservateur. Je rappelle que vous avez fait vos études donc, à New York, à la Columbia School de New York. Et puis, vous avez été une des plus jeunes, effectivement, conservatrices à être nommée directement, on peut dire, hein, en fait, à la sortie de vos études, après un superbe stage à la fois donc, au Louvre et également au Met, si je ne me trompe pas. Voilà, donc les deux vraiment musées et institutions les plus importantes dans le domaine, effectivement, de la mode et qui, aujourd'hui encore, ont effectivement les collections dans ce domaine les plus importantes. Donc là, on fait un petit tour effectivement sur certaines expositions, à chaque fois avec des scénographies extrêmement surprenantes qui nous ont marquées. On va en discuter plus en détail tout à l'heure. Voilà, là, on voit effectivement Louis Vuitton et Marc Jacobs en 2012. Cette image sur laquelle on reviendra tout à l'heure, parce qu'il y a une mise en abîme extraordinaire moi, qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. J'aimerais qu'on partage ça ensemble. L'exposition de Dries Van Noten également. Alors, vous comprenez bien qu'on ne pourra pas parler de toutes ces expositions, donc c'est une sélection tout à fait subjective. Et la dernière en date, donc Fashion Forward, qui a fermé ses portes il y a trois semaines, voilà, quelques jours. Vincent. Oui. Vincent Daré, c'est bien vous. Oui. Présent. Vincent Daré, également, comme Pamela, mais qu'on ne présente plus, mais revenons un petit peu sur le parcours de Vincent. Vincent, on pourrait parler de vos années quasiment italiennes. Oui. Vos années, oui, vous êtes d'accord? Oui, oui, non, mais c'est vrai. De toute façon, mon trajet dans la mode a été surtout en Italie. Surtout en Italie. À part le départ où j'ai fait une école à Paris et après, je rentrais chez des gens comme assistants et tout ça, mais après, c'était tout ce que j'ai fait était plus en Italie. Mmh. On revient sur ces années italiennes tout à l'heure. Donc là, effectivement, on voit des images, donc, on aperçoit Vincent. Bah, après ça, c'est un nom italien, mais c'est le seul français. Quoi. Voilà, pour le coup, chez Emmanuel Angaro, voilà. Chez Moschino, notamment. Je passe les images, je ne les vois pas. Voilà, toujours chez Moschino. C'était les campagnes de pub. Voilà, ça, c'était la première où, oui, où j'ai fait défiler Inès, oui, pour la... Ça, c'est l'officiel. Une image donc, de l'officiel de la mode, une couverture qui m'a semblé intéressante d'intégrer parce qu'elle va effectivement nous permettre d'aborder une thématique qui est chère justement à la tradition de l'apéritivo, c'est ce côté convivial. Vous le représentez très bien ce soir d'ailleurs, le côté convivial, le côté communauté familiale, qui est très important également à la fois dans la façon de travailler de Pamela, également Vincent. L'appartement, ou les appartements de Vincent. Oui. Oui. On va se faire plaisir, ça, disons, les appartements de Vincent, voilà. Et Vincent, dans ses appartements. Voilà. La maison d'arrêt, donc le côté effectivement appartement, le fait de se sentir chez soi, se sentir chez soi avec sa famille créative, ça fait partie également de l'esprit de l'apéritivo, donc que Vincent représente aussi à travers, voilà, par exemple, des
collaboration pour des créateurs qui sont aussi des amis, comme Ellie Top, donc qui a été effectivement, dont la, toute la décoration est signée par la Maison d'Arrêt, donc créée par Vincent. Et là, l'hôtel Montana, qu'on voit également un petit peu en image. Donc, après avoir vu ces quelques petites images, une première, on va se tourner d'abord vers Pamela. Oui. Pamela, si on devait revenir un petit peu sur... on a brossé comme ça, de façon très générale, votre parcours, quelques dates et quelques images importantes. On n'a pas tout cité, on aurait pu parler de garde-robe, intimité dévoilée, de Schiaparelli, des années Jackie Kennedy, des expositions dédiées aussi à la garde-robe masculine. Mais ce qui fait en fait la particularité, je le disais un petit peu tout à l'heure de votre parcours, Pamela, c'est dès le départ, et c'est peut-être lié d'ailleurs à la façon dont vous allez découvrir ce métier et dont vous allez découvrir presque votre vocation, il y a en tout cas ce lien avec la mise en scène, le métier de conservateur. Effectivement, au départ, quand on y pense, je parlais de cette notion de direction, de conservation qui est importante aussi, également, d'écriture. Être conservateur, c'est aussi écrire sur le sujet dédié. Mais vous allez plus loin, il y a une autre dimension de votre métier. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus en détail? Wow. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que là, ça, vous entendez? Tant mieux. Déjà, merci beaucoup pour ce parcours. C'est toujours étrange de retourner vers le passé parce que nous, on est dans des métiers où on pense toujours au futur. C'est next et pas qu'est-ce que j'ai fait avant. Donc, on est toujours dans un espèce de futur proche qu'on ne touche pas encore, mais presque. Effectivement, nous avons donc des collections nationales en ce qui concerne le costume et le textile. Et grâce à cette position au Louvre, nous avons reçu l'attribution de la dernière aile, qui était l'aile de Rouen, dans laquelle on a ouvert les espaces les plus importants dédiés à la mode et du textile au monde. On a 1500 mètres carrés, donc ce sont des galeries assez importantes au niveau de la surface. Et pour cela, nous avons une scénographie dès le départ qui est assez structurée. Ainsi, c'est comme ça que je la vois, c'est-à-dire avec des vitrines. Pour des raisons de conservation préventive, ça nous a permis justement de sortir les collections pendant des laps de temps beaucoup plus importants que sans vitrine, par exemple. Et donc, compte tenu de cet espace déjà extrêmement structuré, il fallait réfléchir comment faire vivre ce lieu avec chaque fois une exposition différente et une vision très différente. Étant à Paris, déjà, capitale de la mode, même si il y a d'autres capitales aujourd'hui, c'est quand même la capitale de la création. Et on a toujours voulu ouvrir ce lieu à Paris et aux Parisiens, mais aussi à la communauté professionnelle. C'est pour ça que pour chaque exposition et depuis le début, nous avons constitué une équipe artistique composé d'un scénographe, d'un directeur artistique pour le graphisme, la signalétique, et aussi un éclairagiste. Et à chaque fois, pour chaque projet, nous avons cette équipe qui est différente. À savoir que dans la plupart des musées, c'est du jamais vu, parce qu'ils ont, en fait, toute la scénographie se fait en interne. Donc, de donner ces cartes blanches était extrêmement important pour nous, pour justement faire vivre le lieu, mais aussi proposer ce lieu à des professionnels qui parfois avaient déjà travaillé dans des musées, mais pour la plupart n'avaient jamais fait quoi que ce soit dans le cadre d'une exposition. Et donc c'est comme ça qu'à chaque fois, pour chaque exposition, j'espère que vous êtes surpris, beaucoup des visiteurs se demandent « mais c'était où la dernière ?» Je crois que c'est le plus grand compliment. Parce que justement, on passe du noir au blanc, du blanc au noir, et c'est grâce à cette vision des designers, des architectes, des designers d'intérieur, qu'on arrive à faire ça. Et donc, en collaboration avec les créateurs avec qui on travaille, ou si ce n'est pas un créateur vivant, avec l'équipe en place, on constitue justement cette nouvelle équipe pour donner les visions très différentes que mais vous voyez. C'est ça, c'est une nouvelle vision, ce n'est pas une vision du costume ancien. C'est, à chaque fois, c'est une mise en scène où le créateur intervient, ouais. et donne une vision incroyable aux visiteurs. Ce n'est pas du tout un vieux vêtement sur un mannequin, ce qui est très difficile parce qu'en fait, c'est,
C'est assez difficile et beaucoup découvrent et se prennent la tête et se disent ça va pas le faire, je peux pas. Et après, le vrai travail commence. C'est-à-dire, pour moi, quand il y a des contraintes, c'est là où on trouve les solutions les plus créatives. Et c'est vrai que nos espaces sont assez contraignants. Et donc, la première réponse est une réponse. Je prends mes cheveux et je me dis, je vais me les arracher. Et petit à petit, ils rentrent dans le projet. Et on a ces résultats ici. C'était André Poutman qui a travaillé avec nous pour l'exposition de Madeleine Vionnet. Donc on a deux types d'expositions, soit des expositions rétrospectives aux cartes blanches autour de la création contemporaine, ou sinon des expositions beaucoup plus thématiques qui nous permettent de montrer les collections depuis le 17e jusqu'à nos jours. Même si on a 150 000 et plus de pièces dans la collection, on continue à collecter et justement on fait impliquer à chaque fois, que ce soit les créateurs, les maisons, c'est extrêmement important de créer cette conversation. Et je trouve qu'étant à Paris, on a non seulement cette responsabilité, mais pour ouvrir la conversation, il faut avoir à chaque fois des nouvelles personnes qui entrent dans ce dialogue, et c'est ce qu'on arrive à faire dans ce lieu. Même si la dernière n'a pas eu lieu dans les galeries permanentes, mais dans la grande nef du musée, c'était pour les 30 ans du musée qu'on vient de fêter. On est vraiment sur cette, en vous écoutant, Pamela, on touche du doigt ce sujet donc de la dualité, donc ce mélange entre justement à la fois donc la mode, les arts décoratifs, l'art contemporain aussi, hein, même si on va se concentrer plus sur les deux premiers. Et ce que je trouve très intéressant, alors on ne va pas citer tous les noms des scénographes, on parlait tout à l'heure de Jérôme Kaplan, par exemple, qui lui, effectivement, donc, normalement, œuvre plus dans, comme on disait, donc, l'opéra, le ballet, donc c'est une autre école. Mais on voit bien, effectivement, que ces scénographes, qui pour certains de métiers sont des designers, ça m'a fait sourire de revoir le nom des radis designers. Voilà. Donc, on pourrait citer Patrick Join, Pierre Charpin, André Putman, dont on a le travail effectivement là sous les yeux. Ces personnes-là, finalement, vont vous nourrir, mais pas forcément uniquement donc, de leur univers qui est le design, mais même, par exemple, de la danse, du ballet. Si on prend, par exemple, Jérôme Kaplan, qui a travaillé avec vous sur deux ou même un peu plus. J'en ai deux en tête, mais voilà, la dernière. Voilà. Donc, comment effectivement cet échange, comment se passe cette espèce de porosité, de passerelle entre ces univers, comment ça vous nourrit, vous, même avec Vincent d'ailleurs un petit peu, parce que voilà, on a pas, il y a tous ces échanges aussi. Question piège. Mais en même temps, on pourrait commencer par l'exposition d'André Poutman. Ouais. C'est vrai que c'était la première qui a été pour toi assez importante. Et c'était très difficile parce que, bon, à part Asdine Alaïa, qui s'intéresse au travail de Madeleine Vionnet, c'était très méconnu. Et de toute façon, tout ce qui est des années 20, 1930, tout le monde ça voit comme une vieillerie. Or, elle a vraiment traité le tissu d'un point de vue architecture et du biais. En fait, tout son travail est sur le mouvement du tissu. Et la collaboration, grâce à André et à Pamela, ils ont donné, en fait, vie à ces vêtements en les rendant totalement abstraits, en les mettant sur des vitres, en les projectant, en mettant des petites... je me rappelle, il y avait des petites écrans qui étaient faits par Parotte. Oui. C'est ça qui est drôle, parce que justement, c'est notre ami Henri Sédoux qui fait Parotte. Et donc, il y avait fait ces petits écrans où on voyait le vêtement tourner dans toutes les dimensions. Après, il y avait des jeux de projection où on montrait le vêtement comme un pliage. C'était, moi, je trouve, la première exposition qu'on voyait au Musée des Arts Décoratifs qui était totalement, j'aime pas le mot moderne, mais là ça pouvait s'appliquer parce que sur un travail de quelqu'un d'une autre époque, réussir à le rendre totalement contemporain, c'était très étonnant. Merci, tu as raison. Effectivement, à chaque fois, il y a un lien. Il se trouve qu'André Poutman, en plus, avait connu Madeleine Vionnet. Donc déjà, elle était dans son univers, un peu comme Jacques Grange pour Elsa Schiaparelli. Il me racontait tous les dîners qu'ils avaient fait ensemble chez elle, donc il y avait ce lien déjà là. Mais il y a aussi, que ce soit avec Nicolas Ghesquière pour Balenciaga, c'est lui qui a voulu travailler avec Dominique González-Forster. C'était la première fois qu'elle faisait une scénographie dans le cadre de ce type de travail. Et donc, à chaque fois, il y a à la fois une découverte, une surprise,
Et on s'entraide. On trouve des solutions ensemble que nous, en tout cas, on n'aurait jamais trouvé tout seul parce qu'on n'avait pas ce regard. Avec Hussein Chalayan, c'était qui avait fait C'était en fait Chloé, c'était son équipe à lui qui avait venu de travailler sur ses boutiques. Et donc à chaque fois, c'est assez différent, mais comme ils ne se retrouvent jamais dans une configuration de musée, c'est assez étonnant de voir les résultats. En plus, Hussein Chalayan est vraiment quelqu'un qui a travaillé pendant ses défilés sur la performance. Les défilés étaient plus d'un point de vue artistique, une des performances que tout le monde attendait, vraiment comme des événements. Et c'était très difficile de faire une exposition statique et de refléter ce mouvement et ces performances. Et c'était tellement incroyable, cette exposition, parce que c'était un labyrinthe où on partait. Voilà, c'était des choses mais incroyables. C'était psychédélique, quoi. Et je trouve que aussi bien pour les créateurs ou les scénographes, ainsi que les gens au sein de la maison, c'est de l'oxygène. Parce qu'on on s'ouvre les yeux chacun dans notre domaine. Ils découvrent les labyrinthes muséales. Parfois c'est bien, parfois c'est un peu frustrant. Oui. Et nous, de notre côté, pareil, vous avez parlé de Patrick Join. Il avait pour nous fait cette exposition que vous avez vue avec les femmes tatouées. Et grâce à ça, ensuite, c'était la première fois qu'il avait traité des petits objets, c'était des bijoux, fantaisie. Il a pu travailler sur les projets de Van Cleef & Arpels. Avec Nicolas, c'était la première fois qu'il voyait les archives Balenciaga véritablement. Grâce à quoi, ensuite, il a pu rendre hommage à ses collections à travers la collection qu'il avait fait en 2006, juste après notre exposition. Dries Van Noten, c'était la même chose. Lui, en revanche, il ne voulait pas du tout choisir le scénographe. Il voulait notre aide pour qu'on lui apporte quelqu'un. Et tout de suite, on lui a présenté un architecte de la maison Arter. Et ça s'est tellement bien passé qu'ils ont travaillé sur d'autres projets ensemble après. Et donc à chaque fois, c'est à la fois pour le public, mais aussi pour les professionnels qui travaillent sur les projets, de pouvoir apprendre, grandir, dialoguer et communiquer. Bref, c'est le rêve. Quelle chance. Il y a des palmiers, du champagne. Il y a une terrasse maintenant. Une terrasse. Et la famille s'agrandit finalement. Enfin, toujours. Voilà, de ces familles créatives qui finalement ne sont pas figées, comme on pourrait malheureusement avoir tendance à le penser. Au contraire, elles peuvent effectivement se nourrir, discuter. Et Paris a toujours été comme ça. Oui. De toute façon, je crois que c'est des familles comme ça a été des salons à une époque où les gens se rencontraient et de là partaient des projets. Maintenant, c'est un peu plus difficile parce que la gratuité est beaucoup plus inaccessible et en fait, les rencontres se font et après naissent des projets. Et c'est ça qui est joli, mais je crois que Paris a toujours été une forme. C'est pour ça que c'est la capitale de la mode parce qu'en même temps, c'est le seul pays où tous les étrangers sont accueillis et que comme des garçons, les Japonais, tant les Belges sont venus révolutionner la mode. Et c'est ça qui existe de Paris. On espère que ça existe toujours et ça existe parce qu'à chaque fois, les gens se rencontrent et font des trucs. Alors du coup, je prends la perche, Vincent. Oui, allez, donc, quittons Paris et atterrissons en Italie. On y est presque, là, d'ailleurs, ce soir. Et on va revenir un petit peu sur justement c'est ce que j'appelle un peu vos années italiennes, Vincent, et cette façon donc voilà d'échanger, de faire, de construire, de co-construire d'ailleurs avec les autres que vous avez un petit peu évoqué. Oui. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette façon de le processus créatif à l'italienne comme vous avez pu effectivement. C'est pas à l'italienne, mais je crois que pas de. C'est familial, j'ai envie de dire. En tout oui, cas. Mais bon, premièrement, il faut partir de Paris parce que quand même, je suis né à Paris. Donc, je fais une école à Paris, je rentre chez Saint-Laurent comme assistant stagiaire. Évidemment, j'y reste pas parce que j'étais pas classique à l'époque et qu'il y avait des lieux où on s'amusait beaucoup et on pensait pas vraiment à devenir sérieux. Après, je suis rentré chez Claude Montana. Et de là, j'ai vu que c'était le moment où l'Italie commençait une vraie industrie et on m'a proposé là. C'est aussi le hasard. Moi, je crois que la vie est faite pleine de hasards. Et les Italiens m'ont proposé tout de suite de faire une collection de jeans, ce qu'on ne faisait pas du tout, parce qu'à l'époque, un type qui sort de l'école, qui a fait 2 ans dans la mode, on ne lui propose pas de faire quelque chose. Et je suis parti donc en Italie, je me suis retrouvé à Arezzo, qui est une petite ville où habitait Eleonora XII, qui est à côté dans les alentours de Venise.
Et voilà, ça a été une galère totale. J'ai appris ce que c'était que la mode, en fait. C'était de travailler dans une usine. Moi, je n'imaginais pas du tout qu'on travaillait dans des usines. Donc, pour moi, la mode, c'était les maisons de couture, tout ça. Je me suis retrouvé dans une usine. Ça a été la première de ma longue carrière. Mais ce qui était assez amusant, c'est qu'il avait réuni plein de jeunes. C'était Bodymap, à l'époque, qui avait fait la collection à Bruges Lafaste. Ouais. Catherine Hamlet, maintenant Bodymap, ouais. Toi, ça te dit quelque chose. Les gens, Catherine Hamlet un peu, celle qui avait inventé le jeans troué avec les strass et tout ça. Et donc, le type me dit « Ah, mais t'as carte blanche, tu fais une collection de jeans. » Moi, j'ai commencé, j'ai fait des trucs délirants avec le jean. Ça a été un fiasco total. Lui, à l'époque, il s'en foutait, il partait sur son bateau, il m'a abandonné. On a fait deux saisons et après, ils ont fait faillite. Et j'ai continué comme ça. Et en fait, j'ai rencontré cette femme qui s'appelait Manuela Pavese et qui était la papesse du Vogue Italie, qui travaillait avec tous les plus grands photographes, qui était une styliste. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la mode, on connaît beaucoup les designers, mais qu'il y a derrière des gens qui ont beaucoup participé, qui sont les rédactrices de mode, qui viennent comme Nicolas Ghesquière à Maria Amélie Sauvé, comme Versace a eu Caroline Cerf. Il y avait Manuela Pavese qui trouvait les gens et qui les présentait à des maisons italiennes. Elle m'a présenté à la première qui était Blue Marine, qui était une femme qui faisait des succès avec des petits pull-overs avec du léopard et des fleurs. Fantastique. Elle a fait un succès énorme. Elle était très drôle. Elle connaissait rien à la couture. Et dès qu'il y avait un problème, elle mettait des nœuds ou des fleurs. Dès qu'il y avait un truc où il y avait dans la coupe, ça n'allait pas. Elle me disait, madame, vas-y, mettez mon fiore, mon fiore. Et donc, tout ça, ça a avancé. Après, j'ai rencontré, parce que la meilleure amie de Manuela Pavese était Miuccia Prada. Donc, j'ai rencontré Miuccia. Et eux, à l'époque, ils n'avaient pas de designer. Ils venaient de commencer leur collection de prêt-à-porter. Et ils étaient complètement paumés parce qu'ils s'y connaissaient très bien en sac, mais pas du tout en vêtements. Et ils m'ont emmené dans leur usine qui était très moche, qui était au bord d'une autoroute. Là, c'était trop pour moi. Moi, j'ai dit, ah non, moi, je ne travaille pas là-dedans. On ne peut pas travailler dans la mode, être là-dedans. Alors, il y avait Patrizio Bertelli, qui est un espèce de Pierre Berger très excité comme ça, qui m'a dit, ah, alors, Vincenzino, tu mets tiens-moi à casa. Et donc, j'ai fini dans leur maison de campagne à Arezzo, qui était à côté de Florence, là où était leur usine. Et là, j'ai commencé à dessiner. Je n'avais pas compris parce qu'il y avait une fille à côté de moi qui dessinait en même temps. Je me suis énervé. Je croyais que c'était une rivale qu'on m'avait mis dans les pattes. Et alors, Miuccia, je pars et je fumais une clope. Je suis parti fumer sur le balcon. Et Miuccia, elle a appelé Bertelli. Bertelli, il dit « Alors, Vincenzi, come va ? » Elle dit « Non, il est furieux. Il est parti fumer une cigarette. Passe-le-moi. » Et moi, j'ai dit « Je ne sais pas pourquoi vous m'avez mis cette fille qui vient et qui essaye de me rivaliser. » Et tout ça. Il m'a dit « Mais tu n'as rien compris, c'est ton assistante. » Et c'était la première fois de ma vie que j'avais une assistante. Et donc, voilà, après, j'ai enchaîné les… Et c'est normal parce que… On parlait de famille et en fait, ce qui est amusant de l'Italie, je l'ai eu après longtemps parce qu'après j'ai fait d'autres collections dont la dernière, non c'était l'avant-dernière, c'était avec Karl où je suis retourné en Italie, il m'a remis en Italie parce qu'en fait ça me va beaucoup mieux. Parce que les gens ne perdent pas de temps et que c'est des familles directement, on n'a pas affaire à un gros groupe avec des réunions, on a affaire directement avec une famille, on leur parle directement et ils sont eux vrais commerçants et aussi connaisseurs de leurs produits. Ce qui fait qu'on va beaucoup plus vite parce qu'en plus ils sont curieux quand ils voient des trucs, ils disent « Ah maintenant c'est possible ». Le contraire d'en France où on dit « c'est pas possible », en Italie on dit « c'est pas possible » mais c'est que ça qui est excitant parce que si c'est pas possible, ça veut dire que ça n'a pas été fait, que ça devient intéressant. Mmh. L'Italie donne cette liberté qu'on a en France si on a beaucoup de pouvoir. Ce qui est pratique en Italie, c'est qu'ils sont beaucoup plus, en plus ils sont superficiels et moi j'aime la superficialité. Parce que je trouve que c'est agréable, ça donne une légèreté à la vie. Et dans la mode, c'est ça qu'on attend. Mm. Et donc, ils vous voient, si vous êtes bien habillé, « Ma quanto sei bello !» Personne à Paris ne fait, vous fait des compliments. Là-bas, en Italie, dès qu'on arrive, on est sublime, on a tous des compliments. Un peu comme en Amérique, à Miami, on s'est rencontrés là-bas, c'est la même chose. J'ai retrouvé un peu ce truc-là, mais c'est rare. Et voilà, donc j'ai travaillé pour beaucoup de gens et après, il y a eu des moments très difficiles où j'ai même presque arrêté la mode, où ces familles comme les Mario Valentino, je me suis retrouvé à Naples avec une famille incroyable qui c'était, on connaît Valentino, mais on ne sait pas que Mario Valentino était une marque de cuir dont Helmut Newton faisait les campagnes et c'était Montana qui faisait la collection. Et eux, ils m'ont appelé, le père était mort, c'était un type génial qui avait beaucoup aidé un autre génie qui s'appelait Lucio Amelio, qui était un grand galeriste napolitain qui avait amené Andy Warhol et qui a lancé Twombly en Italie. Et donc, en fait, c'est là où on voit les Italiens qui sont très forts, parce qu'en France, c'est très conservateur, les gens de la mode n'achetaient pas de l'art moderne. Tandis qu'en Italie, en fait, l'industrie italienne qui a été un peu décrite dans les années 60 par Fellini,
découvraient la modernité et voulaient tout. C'est pour ça que le design, tout ça, a fait des sauts en avant énormes. Et il voulait de l'art moderne. Donc, il a amené Andy Warhol. Personne ne savait qui c'était en italien. Mais l'autre lui a dit « Ah, my own genio !» Ils ont acheté. Et quand je suis arrivé la première fois dans cette usine, qui était en haut des Fontanelles, c'était dans Naples, dans tout le quartier mafieux. On doit fermer les vitres quand on part. Et on arrive là-bas et c'était dans les catacombes. Tous les catacombes étaient bouchées. Au milieu, il y avait une tour moderne avec des citronniers, une cantine où ils faisaient la pasta. C'était dément. Et j'arrivais dans l'entrée, il y avait les fleurs d'Andy Warhol. Au premier étage, les chaussures de Warhol. Au troisième, les Marilyn. Enfin, toute l'usine était bourrée d'Andy Warhol. Et je me suis dit, mais c'était incroyable. Bon, ça a très mal tourné parce qu'on s'est servi de moi, la mère, la fille. Parce qu'en fait, aussi, c'est très familial, mais ça va aussi dans les pires. Parce qu'il y a des histoires d'argent. Donc, tout le monde se déchire dès qu'il y en a un qui meurt pour essayer d'avoir le pouvoir. Donc, après, j'ai arrêté la mode. Enfin, je vais vous arrêter de me parler parce que moi, ça peut continuer longtemps. C'était simple, Barbara. Si tu essayes de faire... On se concentre sur la mode et le design, mais on s'est dit qu'on introduisait aussi le l'art contemporain. Donc voilà, on aide l'art contemporain. C'est fait, voilà. C'est et fait. Le côté familial mais tout est lié. Découvert. Tout voilà. Est lié. Et on voit bien effectivement... Et je me suis retrouvé après avec Carl qui m'a donc... Au début, j'ai commencé à travailler chez Chloé et il a vu que je m'ennuyais beaucoup. Donc il m'a dit, mais toi, tu es fait pour l'Italie. Donc je suis retourné en Italie en croyant que j'allais travailler avec Carl à Paris. Mais j'ai fini chez les Fendi pendant 6 ans à Rome et je me suis beaucoup amusé. Parce qu'elles sont très drôles, l'esprit romain et... Ce qui est drôle en Italie, c'est que les gens s'amusent. Il y a un humour qui est décapant, Carl l'a déjà, lui, de naissance et dans le travail. Et eux ont la bonne répartie aussi. Donc, c'est ça que j'aime, c'est que la mode ne doit pas être sérieuse. En fait, si les gens se prennent trop sérieux dans la mode, ça finit... Être superficiel et ne pas être trop sérieux, c'est aussi avoir une profondeur. Une profondeur, mais c'est aussi un gage de liberté, finalement. Vous parliez de la contrainte. Vous disiez tout à l'heure, Pamela, que dès qu'effectivement vous trouvez face à une contrainte, et c'est le cas quasiment, j'imagine, pour la conception de chaque exposition, finalement, c'est un petit peu le bouton qui dit « ça y est, tout commence ». Et c'est aussi ce que Vincent dit, finalement, enfin, en tout cas des Italiens, est-ce que c'est certainement une des choses, parmi beaucoup d'autres que vous avez appris de l'Italie, c'est ça, c'est que finalement, il y a des contraintes, mais il y a de la liberté aussi. Et oui. Vous avez une vraie liberté, enfin, quand vous en parlez, on le sent. C'était aussi une période bénie. Oui, je crois, je me demande si, comme dit Pamela, si cette période bénie, comme... je sais pas, ça doit être un peu pareil, mais si j'ai vu là dernièrement des gens comme ça, mais c'est, pardon. Ouais. Non, mais c'est important de se rendre compte qu'il y a 25 ans, une très 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 grosse maison pesait 100 millions. Oui. Aujourd'hui, elle pèse plusieurs milliards. Oui. Donc en moins de 25 ans, ça a été multiplié par 10 au niveau de l'importance financière, et forcément tout ce qui va avec va changer également. On en vient à parler finalement de l'industrie, on en a parlé un petit peu hein, entre nous en préparant. Effectivement, l'industrie effectivement, est de plus en plus, vous parlez vous introduisez cette notion économique, forcément bien sûr. Donc les paramètres économiques font que l'industrie effectivement voilà, a pris de l'ampleur. Les processus donc, et de création et de décision ne permettent pas de laisser autant de liberté aux créateurs, aux designers. Même aux journalistes. Et même aux journalistes. Oui. Voilà. Vous parliez du soutien, justement, donc je fais la pirouette avec vous, du coup, Vincent, vous parliez des journalistes et vous parliez tout à l'heure, effectivement, du lien entre designer et... Non, mais c'est obligatoire maintenant, c'est des grosses structures dont les journaux sont soutenus par une publicité et la publicité prend, plus elle prend de place, plus le journal a de l'argent et plus ils doivent refaire un retour d'ascenseur, ce qui devient très difficile même pour les journalistes, mais c'est normal, c'est devenu une industrie. Après, je crois que c'est très bien. Les gens gagnent de l'argent et tout le monde est content. Après, je crois que la mode, de toute façon, il va arriver un fait de société que la mode va changer. C'est normal, c'est le principe. Pour l'instant, c'est celui-là. Voilà. Moi, Mais ce que j'ai toujours aimé dans ton travail, c'est que tu tires ton épingle du jeu. Avec tout ce que tu apportes, tu trouves toujours la porte qui te convient et tu continues à t'exprimer. Comme tout le travail que tu vas sortir maintenant. Oui, mais c'est, moi, je ne sais pas parce que je trouve ma place nulle part. Donc, quand j'étais dans la mode, j'y étais parce que je vois un petit peu tous les problèmes, les thématiques. Si on se dit je passe de la mode au design, en fait, je crois que tous ces mondes sont assez proches en étant totalement différents. La mode, au moment où j'ai travaillé, c'était d'une totale liberté. Les gens, c'était le début du prêt-à-porter. Il y avait des gens comme Thierry Mugler, comme Jean-Paul Gaultier, comme Asdine qui
faisait des défilés délirants. Derrière, il faisait faillite, ça se remontait, ça partait avec un Italien qui rachetait des Japonais derrière. C'était très, très périlleux. Maintenant, Artisanal. Et oui, et puis c'était amusant parce que c'était encore... Et donc maintenant, c'est différent. On prend des maisons mortes et on les fait revivre. Et il n'y a pas de noms, il y a très très peu de noms qui sont des noms, voilà, les Belges ont été presque les derniers à réussir à faire toute une génération où il y avait une mode qui a suivi. Mais maintenant, je crois que pour des jeunes créateurs, il y en a plein, hein, ça pilule et tout ça, mais c'est beaucoup plus difficile même de se faire une place. Dans la décoration, heureusement, ce n'est pas comme ça. Hein. Maintenant, les journaux, les magazines de décoration sont beaucoup plus libres parce qu'ils ont de la publicité qui n'est pas... Donc, les lépages, moi, on m'a offert, j'ai commencé il y a 7-8 ans et j'ai eu tout de suite des gens qui sont venus parce qu'en plus, quand on fait quelque chose de nouveau, les gens viennent et les journalistes sont friands. Qu'est-ce qui se passe? Vous dites, vous avez commencé il y a 7 ans. Alors, on précise, effectivement, donc, il y a 7 ans, effectivement, c'est la maison d'Harry qui commence. Oui. Donc, une autre aventure, une autre histoire. Oui. Voilà, donc... Vous quittez la mode. Parce qu'après Ungaro, en fait, c'est là où on comprend quand on est dans un système, qu'on se laisse avoir par le système, c'est que je voulais devenir directeur artistique. Parce que quand on est dans la mode, on croit qu'un idéal, c'est de devenir un directeur artistique. Et en fait, j'ai l'impression que tout le monde en ce moment est un petit peu pris dans cet engrenage. Ça veut dire on a des rêves de l'enfance, on a des rêves qu'on essaye de réaliser, et puis après, tout d'un coup, on est pris dans une machinerie qui vous fait faire des pré-collections, des collections, des licenciés, tout ça. À la fin, on ne comprend plus rien, on n'a même plus le temps de respirer, on part dans les avions, et on dit « Ah, moi, je veux devenir directeur artistique, j'ai travaillé avec Karl, après j'étais chez Moschino, après je veux devenir… Ah, on me propose Ungaro, ravi. » En fait, je n'avais rien compris, il faut choisir la maison dans laquelle on va travailler, parce que si le style ne vous correspond pas, et que vous faites juste pour avoir une reconnaissance, et ben c'est très périlleux et on y perd son âme. Ce qui m'est arrivé, heureusement, un an et je me suis fait virer. Je n'ai jamais eu autant d'argent et ça m'a permis de penser à mon propre projet. Ce qui est très rare dans notre vie maintenant, et je le dis parce que vous avez... C'est d'avoir le temps. Le luxe, c'est de prendre le temps et de réfléchir pendant un an, de perdre un an et de se dire qu'est-ce qu'on a vraiment envie dans la vie. Et moi, c'était en fait de faire des meubles, de faire quelque chose que je n'avais jamais fait. Là, effectivement, donc, démarre cette autre page, autre histoire. Donc, effectivement, donc, en tant que décorateur et designer, puisque voilà, vous venez de le préciser, c'est pas, la maison d'arrêt va créer effectivement donc, des décorations d'intérieur, mais il y a aussi effectivement un vrai travail sur un travail avec des artisans pour développer des pièces. Pamela fait un peu la même chose. Ça veut dire, elle nous a parlé tout à l'heure de la mode et de la mise en scène. En fait, on a une vision assez parallèle. C'est l'idée de mettre en scène un travail et de lui donner vie. Là, on voit, donc on va revenir un petit peu plus sur le détail, comme on l'a fait avec Pamela sur quelques images. Donc là, on vous voit effectivement donc, chez vous. Et ce que je trouve intéressant sur ces images-là, c'est qu'on voit à chaque fois, très souvent, un travail notamment d'illustration. Ça me permettait tout simplement de faire la passerelle avec certaines personnes qui font partie de votre famille artistique. Oui. Je pense à Pierre Le Tan, par exemple. Le Tan, en fait, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'ai découvert des documents. On a travaillé il y a très longtemps, dans les années 80. Je faisais les costumes, je faisais les décors pour une pièce. On a retravaillé avec Valérie Lemercier quand elle avait fait Quadrille de Sacha Guitry. On a fait des Bals de la Rose avec Valfredo Arias ensemble. Et en fait, c'est bizarre parce que c'est ce que vous racontiez, des rencontres et des gens qui sont amenés à travailler ensemble. C'est aussi de l'amitié. C'est ça dont je crois que vous aviez envie qu'on parle aussi. Oui. En fait, c'est de la confiance. Oui. C'est important, la confiance. C'est même primordial. Et c'est ça qui fait qu'on peut se parler. Oui. Parce que sinon... Et puis aussi qu'on a de l'admiration pour les gens, pour nos amis. C'est ça que je lis. C'est très, très agréable. Je crois que c'est une chance qu'on a, c'est de rencontrer des gens. Et de les rencontrer. Et on a en plus d'en être encore plus fiers quand on travaille avec eux. C'est merveilleux pour Pamela parce qu'elle a la chance même de voir des gens qui arrivent vers elle, qui sont des gens que tu ne connais pas forcément. Moi, c'est différent parce que c'est le parcours de quelqu'un de curieux. Et donc, dès que je rencontre les gens, je suis très, très content. Et encore plus s'ils ont du talent et qu'ils me proposent après de faire des choses avec eux. Ou je leur propose de faire des trucs. Oui. Donc,
Donc cette connivence, effectivement, ça permet effectivement donc cette confiance, je pense, et on doit avoir effectivement, voilà, finalement des images. Je pense par exemple, voilà, cette relation avec des gens comme Thierry Lasserie, Ariel Dombal ou Elie Top. Et ce sont des relations effectivement sur, voilà, sur des années. On parlait de Pierre Letang. Et puis finalement, ben, on est en famille, on est entre amis, et vous développez finalement des univers qui touchent finalement à tout finalement. C'est à la fois de la décoration, Vincent, c'est à la fois, donc on l'a dit, effectivement du design, donc d'objets, de meubles, c'est de l'illustration, c'est de l'ambiance sonore, c'est total, c'est un design total. Oui, mais c'est une chose que j'ai, c'est que je suis un touche-à-tout et que dès qu'on me propose quelque chose que je n'ai jamais fait, je suis ravi de l'accepter. Oui. Donc on peut me proposer n'importe quoi si c'est un truc que je n'ai jamais fait, mais après c'est très fatigant et ça vous emmène. Mais pour Elie, par exemple, pour Elie Top, je le connaissais depuis longtemps, c'est normal que quand il est amené à faire sa maison, oui, je fasse sa décoration. Pour Thierry Lasserie, c'est différent parce que Léonard et Thierry ont pensé. C'est eux qui ont dit on va travailler avec Vincent Darré. Et on se connaissait par notre attaché de presse commun. Mais ça m'a beaucoup touché parce que tout d'un coup, c'est des gens qui viennent de l'extérieur, qui ont un univers bien particulier et qui font un travail très intéressant et qui viennent vous voir parce qu'ils se disent ça va faire une. Mmh. Et c'est encore. Parce qu'avec Elie, ou alors quand ce qu'apparaît Elie, c'est Inès de la Fressange qui me. Voilà. Et c'est à chaque fois des rencontres de gens qui font qu'on me propose des choses. Ariel. C'est avec elle, je me retrouve à faire un film, après faire des costumes. Enfin, avec Ariel, je me retrouve à faire n'importe quoi. Mais bon, c'est qu'elle est comme ça. Mais... Je pense à Philippe Catherine également. Dont vous avez Philippe parlé. Catherine, c'était extraordinaire. Vraiment, c'est incroyable. Là, il m'a appelé, il m'a demandé de faire ses costumes et j'étais encore plus touché parce que je me suis dit, en fait, Philippe aime ce que je fais. Et comme je vais le voir. Et pour moi, Philippe Catherine, c'est une poésie, c'est quelqu'un qui fait des performances, qui monte sur scène, qui se met à chanter, mais c'est un délire dadaïste. Donc voilà, ça, je me sens très proche de lui et en plus, mais il m'intimide beaucoup en fait. Le dadaïsme qu'on retrouve énormément dans, je pense, au tissu, pas spécialement d'ailleurs la collection avec Pierre Frey, mais on trouve beaucoup effectivement cet esprit. Parce que c'est un esprit de liberté, on parlait de liberté tout à l'heure. Le dadaïsme, c'est un mouvement qui est révolutionnaire, qui a beaucoup d'humour, qui se moque de tout, qui est un peu anarchiste. Moi, je suis né dans une famille de gauche, donc ça m'est proche. Et voilà, mais c'est vrai que c'est... Bon, il y a le surréalisme et le dadaïsme, c'est plus la pensée ou la dérision qui me plaît. En venant donc à cette notion de conversation, vous n'avez pas encore, même si on imagine que vous conversez beaucoup, parce que vous êtes amis, voilà, vous n'avez pas encore effectivement de projet commun, de création commune. Vincent a déjà exposé au musée, voilà. Puisque tu as fait le AD, c'était super. Ah oui, ça, c'était un premier début. Aux arts décoratifs. Mais j'étais très, très impressionné à l'idée d'exposer aux arts décoratifs, puisque c'est en fait la naissance de notre travail, c'est les arts décoratifs, oui. Et c'est ça qui est beau. C'est même ce nom, il revient à l'exposition où les arts décoratifs, il y avait Jean-Michel Franck, tous les grands décorateurs faisaient ça. Maintenant, ce qui s'est un peu perdu, et grâce à Marie Calque, le AD, elle a renoué avec cette idée de faire travailler les décorateurs et de montrer à un public qui n'est pas du tout un public... Ouais. Habituel, comme Pamela fait avec les gens sur la mode. Et là, c'est ça qui est intéressant. Et les arts décoratifs, ça les a fait aussi aller dans un sens un peu plus de notre époque. Et c'est super impressionnant. C'était une belle conversation avec les conservateurs des arts décoratifs. Oui, mais ça, les conservateurs du musée, c'est une autre histoire. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on a eu la chance aussi. L'idée, c'était prenez un objet dans... Dans les collections, on est allé dans des hangars, ils ont des trucs, mais c'est extraordinaire de voir ça, des meubles, mais il y a de tout, il y a des choses très très précieuses et il y a des choses qui ne valent rien comme les puces, et tout est mélangé, et on choisit un objet et on montait notre décor autour de ces objets. Et c'était, en plus d'avoir la chance de travailler avec tous les artisans français, parce que ça c'est merveilleux aussi, c'est aussi là, je crois que la France est importante, c'est que c'est elle. Le cœur de l'artisanat existe nulle part ailleurs. C'est en Italie, oui, mais ici, c'est plus comme la haute couture. C'est aussi d'ailleurs l'une des raisons d'être d'AD Intérieur, de soutenir aussi, de promouvoir l'artisanat français et l'artisanat. Oui.
On va terminer sur cette note. On n'aura peut-être pas conversé sur tous les sujets que nous souhaitions c'est aborder. Difficile. C'est difficile, voilà, parce que vos parcours sont très, très riches. Elle nous réserve, en tout cas, j'en suis sûre, de belles surprises. En tout cas, merci d'avoir pris le temps avec nous de partager ces expériences. Merci beaucoup.